Salut à tous, une vidéo qui va concerner Arch Linux. Donc ça va concerner les plus frappadingues des Linuxiens, ceux qui savent que l'amour de la ligne de commande est la seule solution. Voilà. Donc je rigole un peu, mais je vous rappelle qu'Arch Linux est une distribution à destination des personnes qui aiment la parole intellectuelle pour mettre à jour leur paquet. Voilà, ça c'est dit. Non là, c'est plus sérieusement, je vais vous parler de deux successeurs potentiels à feu PAKAUR. PAKAUR, c'est un enrobeur pour le dépôt, enfin pour le service AUR, pour qui signifie Arch Linux User Repository, en clair un dépôt tiers où tous les utilisateurs peuvent déposer leurs propres recettes de paquets. Il y a eu à une époque Yaourt qui était très bien, mais qui fait son âge, PAKAUR qui était un pied monstrueux, mais qui heureusement a été mis à mort, et j'ai décidé d'utiliser Tridsen. J'avais fait une vidéo au mois de décembre pour vous expliquer mon choix. Et puis, plus récemment, on m'a dit, il y a un truc qui s'appelle Picor. Et un autre projet dont j'avais entendu parler et que je n'avais pas encore le temps de vous parler en vidéo, c'est Wish. Donc, pour vous montrer les deux outils, j'ai cloné deux fois la machine virtuelle Arch Base qui me sert de base. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les outils en question. Si vous me demandez pourquoi je ne parle pas de Yaourt, c'est pour une simple et bonne raison. Voilà. Donc là, c'est la page de comparaison des différents, ce qu'ils appellent AUR Helpers. Il y a bon plusieurs colonnes: maintenu, sécurisé, compilation propre, analyseur, dirons-nous, fiable, et résolveur fiable, support des paquets splittés, et git clone, en clair, cloner le code source pour après tranquillement compiler de côté, et ben là, on n'en parle plus. Là, je vais revenir 30 secondes sur ce qu'on appelle les paquets splittés. Un paquet splitté, c'est une recette qui génère plusieurs sous-paquets. L'exemple parfait que je maintiens personnellement, c'est QEMUGIT, qui génère QEMUGIT, QEMUSLESSGIT, QEMUARCHEXTRA. Bref, il y a pas mal de paquets qui sont générés à partir d'une simple recette. Malheureusement, Yaourt ne gère pas ça. Et je ne sais combien j'ai eu droit à de retours sur « Oui, j'ai un problème avec Yaourt, je ne peux pas compiler ton paquet, il y a des problèmes. » La solution est n'utilisez plus Yaourt. Désolé. Voilà. Le Yaourt est tourné. Voilà. Donc là, si c'est vert pour toutes les options, c'est parfait. Si c'est rose, c'est niet. Si c'est jaune, c'est moyen. Donc là, Picor, je pense qu'il va être un jeu de mots avec le français et l'anglais, qui apparemment supporte la totalité des options. Et Wish qui n'est pas encore listé. Bon, je dis Tridsen. Vous avez tout ça. Je vous mettrai bien dans le descriptif. Et Picor. Voilà. Ben, j'avais oublié de mettre le lien. Donc, première chose, on va commencer par Picor, qui se trouve sur AUR. Wish n'y est pas, dommage. Donc, je lance ma machine virtuelle, et je vous montre à quoi ressemble le Picor. Ça peut être pour picorer, et pour pic AUR. Ouais. Donc déjà, je trouve que le jeu de mots est pas mal trouvé. C'est un logiciel en développement, je crois que là, au moment où j'enregistre la vidéo, la version 0.9 est sortie. Oui, donc elle est sortie il y a quelques heures au moment où j'enregistre cette vidéo le 18 mars. Donc, je vais l'installer tout ce qu'il y a de plus simplement. Git clone https aur arch linux en picor git. Et je vais compiler. Apparemment, c'est du Python. Donc, autant dire que c'est complètement dépendant par rapport au chat utilisé. Et on va l'installer. Pendant que ça s'installe. Donc, ok. C'est plus ou moins dérivé, je dirais, de. Voilà, déjà. Ça donne un aperçu de ce que ça donne. Je vous montrerai. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai fait en gros. Voilà. La configuration de picor.conf. Ok, on va y jeter un œil après. Apparemment, il est traduit, ce que j'ai pu lire. Donc là, on va l'installer.
On va faire un petit CTRL-L. Et si on fait un picor tout court. Donc, OK, c'est installé. En français, donc on va faire picor-h. Et on a toutes les options. Voilà, vous voyez. App, version, database, file, query. Donc, query, c'est pour les recherches. Remove, enlever. S, synchroniser. D, depth test, pour les tests. Et U, upgrade. Donc là, je vais faire un simple picor. On voit ce qu'il va nous dire. Mise à jour du système. Ah, c'est pas mal la présentation déjà. Donc il nous dit que ce sera ça qui sera mis à jour. Donc on va faire la mise à jour. On va faire oui. C'est pas mal. Par contre, je n'ai pas trouvé l'option qui permet de cloner directement la recette, de la compiler et d'installer après. Parce que vous pouvez très bien trouver, c'est l'option -g dans trizen-g majuscule, ça vous récupère la recette, vous la compilez, parce qu'une erreur de compilation peut très bien arriver, et boum, après vous l'installez. Dommage, je n'ai pas trouvé cette option. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air un outil intéressant. Il faudra voir si à terme il permet de gérer tout ce qui est récupération des paquets pour compilation plus tard, enfin du moins des recettes AUR pour compilation par la suite. Ça serait bien. Donc on va faire un suite de reboot, étant donné que le niveau a été mis à jour. Je vais voir si je gère directement les paquets AR, ne serait-ce qu'en, je sais pas, en compilant les fonds de Microsoft, par exemple. Donc, on va voir picor-s-ttf-ms-fonts. Voilà les détails du paquet. Oui. Oui. D'accord, il ouvre dans VIM. D'accord. Je crois que dans les bugs, il y a une option de rajouter pour une version future. Dans les bugs ouverts ou fermés, je ne sais plus où j'ai vu ça. Voilà, download only, la version le moins G. Donc apparemment, c'est pour. Ah, d'accord. C'est en cours d'implémentation. Donc, peut-être que pour la version 0.10, ça sera implémenté. Mais si on fait un picor-w, option invalide. Bon. Donc, déjà, c'est un outil qui apparemment est intéressant. Il a l'air pas trop mal à première vue. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas la gestion des recettes qu'on peut récupérer, comme le trizen-g majuscule, suivi dans la recette, on peut très bien le compiler par la suite, ou l'éditer au cas où. Dommage. Maintenant, le deuxième outil, c'est Wish. Alors là, par contre, c'est un clone, enfin, une continuation de Pacor, et c'est vraiment un Pacor qui aurait, dirons-nous, pris ses aises. Parce que c'est précisé, Wish est un fork pour continuer le développement de Pacor, et c'est aussi un projet pour standardiser les opérations de gestion des systèmes Linux. Bon, la ligne de commande, il n'y a pas de paquet package build, c'est un insert qu'il faut faire. Et quand on voit la liste des commandes disponibles,
C'est sans fin. Il y a un peu de tout. Donc, je vais lancer la machine virtuelle en question pour Wish, et on voit ce que ça donne. C'est développé par FumeSec, qui m'en avait parlé d'ailleurs. Je n'avais pas l'occasion d'en parler auparavant, donc maintenant, l'occasion sera comblée. Enfin, ça, j'en aurais parlé. Donc, on va se connecter, et là, on va taper la longue ligne de commande pour installer Wish. Alors. Qui va installer et exécuter Wish. C'est quand même une ligne de commande un peu longue. J'espère que je ne vais pas faire de faute. Bon, c'est mieux comme ça. Donc ça c'est pas mal de dépendance apparemment. Ça c'est ça, je suis installé. Bon. Pourquoi pas? Il y a ça aussi, Apache. Pourquoi faire? Et Max? Nié. Je me demande pourquoi il a installé Max. Bon. PHP? What? Bon. Bizarre. Donc, c'est un downgrader, c'est seulement pour rétrograder des paquets. Je crois que c'est option moins D majuscule, downgrade. Wish moins D majuscule. G, down package. C'est option Wish moins G pour les paquets, oui. Alors, download ISO. Download package. Ouais, download packages. Wish moins D majuscule, oui. Bon. Donc, downgrader. PHP unit. D'accord, il faudra. Il y a un problème avec Wish. Bon, Wish est apparemment disponible. Et voilà toutes les options. Par contre, il y a un petit problème avec Cower. Et l'option, je crois avoir vu que c'est pour les clés GPG. C'est un Wish moins G minuscule. Je crois l'avoir vu. À moins que je l'ai vu dans. Ouais, Wish moins G minuscule, c'est pour trouver les clés GPG. Donc apparemment, comme il y a Cower qui était compilé, enfin qui a essayé de console compiler et que ça n'a pas fonctionné. C'est des Cower. Donc on va faire PKG moins S. D'accord, alors c'est Wish moins G minuscule. 1EB. 26, 38, FF, 56, C, 0, C, 53. D'accord, maintenant, je vais pouvoir installer Cower. Et avoir la totalité des fonctionnalités de Wish. Donc là, je vais lancer Wish. Alors, ah d'accord, c'est un menu. Mettre à jour le système, installer les paquets, supprimer les paquets. On va prendre un, mettre à jour le système, on va voir ce qu'il va nous dire. VirtualHost, what? Mettre à jour le système et redémarrer. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh, la présentation est moins sympa que sur Picor. Je vais préférer une présentation un peu plus colorée. Par contre, ce violet clair, bof. Enfin, les coups et les douleurs. Moi, je sais, mon pull vert n'est pas mieux. Mais sur un fond noir, c'est pas la joie. Enfin, c'est reposant. Ce n'est pas une couleur qui arrache les yeux, mais. Ça ploutit qu'il voudrait faire un peu tout, quoi.
Mais par contre, certaines options, je suis moins fan. Parce que pour moi, un gestionnaire de paquets, c'est un gestionnaire de paquets et l'environnement se gère, les services et compagnie se gèrent par d'autres outils. J'aime pas mélanger les torchons et les serviettes, mais l'intention est toujours honorable. Comme on dit, l'enfer est pavé de bons sentiments, hein. Enfin, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Donc là, on va voir les options qui existent. Les autres options, bien sûr. Alors, donc Wish, bon, bien sûr, tout court. Il y a un problème parce que là, il y a un petit problème dans la documentation. Alors, si je fais Wish, tout court, c'est le menu que j'ai. Les paquets orphelins, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas de paquet orphelin apparemment. Rechercher un paquet. Je ne sais pas mettre, moi je ne sais pas. TTF MS Font. Bon, s'il le trouve. Bon, la présentation par contre n'est pas extraordinaire. Hein. Ok. Afficher les paquets installés. D'accord. 11, on va faire quitter. Et si je fais Wish TTF MS Fonts, qu'est-ce qu'il va me faire? D'accord, une opération spécifiée. Il ne trouve pas directement les paquets AUR. D'accord. Mais Wish.g. Ah! Wishes, yes, clone, c'est des packages peut-être, non plus, c'est des archives, j'ai mis Maya Commander, non, je vais voir s'il y a du contenu, il y a que dalle là-dedans, bon d'accord. D'accord. Ah, non, oui, autant pour moi. Ok, bon, d'accord, j'ai compris. Wish.info, je suppose que c'est Inksy. Oui, c'est Inksy qui est lancé. Wish.v, c'est quoi le virtual host? Non, alors peut-être V majuscule. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est vrai que l'outil est un peu fouillis. Il est complet mais fouillis. Wish help. Wish help. Wish help. V. Non. Wish-help-d. D'accord. Si je fais wish-d, ça me donne quoi? Wish-d. Non. Bon. Wish-c. Wish-c, si on fait wish-c ttf MS Fonts, ça donne quoi? Yes. Bon. J'ai pas le droit d'accord, c'est vrai, c'est uniquement si on veut gérer ses propres paquets AUR. Donc, si je fais un paquet AUR que je possède, un petit paquet AUR, pom, 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 je recherche. je vais mettre PwnGate par exemple. Bah, ça passe pas. Alors que j'ai le droit de le faire, peu importe. Wish-l.
Il y a vraiment beaucoup trop d'options, c'est vraiment un brin fouillis. Là, j'avoue que je suis perdu. Donc, je vais éteindre la machine, parce que là, je vois pas ce que je perds de plus. Oui, j'ai une bonne idée, mais c'est vraiment trop fouillis. Donc, ça part d'un bon sentiment, mais il y en a trop de trucs. Dommage. C'est un outil qui serait intéressant, mais le problème déjà, un, il n'est pas disponible sur AVR, et deux, il est vraiment trop complexe. Vous retrouvez dans la description comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Un outil qui pourrait être intéressant, c'est Picorn, mais il faut voir comment il va évoluer. Ça, c'est la question. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao!